L'aube se lève sur la savane africaine. C'est l'heure où la nature semble chuchoter des secrets que seuls les vrais chasseurs savent écouter. D'un côté, le prédateur, et de l'autre, la proie. Le léopard est né pour tuer, le phacochère pour se défendre. L'un des deux doit l'emporter, c'est un scénario immuable, mais également imprévisible. Le léopard ne gagne pas toujours. Un groin hérissé de défense, un cuir tanné par les épreuves, des pattes ridiculement courtes. Le tout constitue un phacochère, l'animal le plus disgracieux, a-t-on dit, de tous les animaux d'Afrique. En face de lui, le léopard, le plus agile et le plus élégant de tous les grands félins. Son territoire de chasse, c'est la brousse. Mélange de clairières où de hautes herbes permettent de se dissimuler et de bosquets d'arbres pour se réfugier. Tel est le parc Kruger en Afrique du Sud. Le territoire qui borde la rivière de sable est un paradis d'environ 250 km² où nombre d'espèces animales se côtoient. Cette femelle léopard a établi son royaume sur une trentaine de kilomètres carrés. Et chaque jour, elle fait le tour de son territoire pour en confirmer les frontières. Secret, furtif, solitaire, le léopard appartient à la nuit. Il tue d'un seul bond. Violent, il l'est jusque dans ses amours. Le phacochère maintenant. Un gros lourdeau, paisible, un peu pâteux, comme l'image inversée du léopard. Quel empressement et quelle patience il consacre, lui, à faire la cour à sa belle. La scène devient moins idyllique lorsqu'un rival se présente. Le couple de léopards a poursuivi dans l'ombre ses face-à-face amoureux.
et leur accouplement a été fécond. Quelques semaines plus tard, la femelle léopard a donné naissance à deux petits. Deux jumelles sur lesquelles elle sera seule à veiller jusqu'à leur maturité. Les caches où elle est obligée de les abandonner pour aller chasser sont vite repérées. Et il faut en changer souvent. À son tour, la femelle phacochère s'apprête à mettre bas. Il n'y a pas une seconde à perdre pour commencer à téter. L'ombre est propice aux léopards. La nuit est leur véritable élément. Mais cette mère a deux bébés sans défense à surveiller. Elle ne peut relâcher sa veille un instant. Chez les mammifères, la première impulsion des nouveau-nés est de téter. Chez les félins, la deuxième est de jouer. C'est ainsi qu'ils apprennent à combattre et à survivre, et leur mère est la première à animer leur jeu. Avoir un jeune compagnon est primordial pour développer le sens de la compétition, apprendre à maîtriser une proie, à lui infliger la morsure mortelle. Entre les deux jumelles, c'est toujours la même qui l'emporte. La robe tachetée des léopards est un formidable camouflage dans le noir. Et ce tueur que nul ne peut voir, lui, voit tout. Car si l'on en croit les conteurs africains, la centaine d'yeux dont sa robe est parsemée lui permettent de percer les nuits les plus sombres.
Malheureusement, il est souvent plus facile de tuer une proie que de la conserver. Les hyènes sont de terribles adversaires et leurs mâchoires sont redoutables. La mère léopard a deux petits à protéger. Elle ne peut se permettre les risques d'un affrontement. La saison des pluies s'annonce par une succession d'orages, brefs mais violents. Une expérience toute nouvelle et assez terrifiante pour les bébés léopards, comme pour la portée de phacochères. Les hyènes connaissent la musique. Il en faudrait beaucoup plus pour troubler leur repas. La pluie est si violente qu'elle menace d'inonder la tanière. Et tout ce que tente la mère phacochère pour boucher l'orifice est vain. Face à l'inondation, les petits n'ont d'autre ressource que de se réfugier sur le dos de leur mère. Leur peau trempée leur fait courir un risque grave, car leurs poils parsemés les protègent très mal du froid au cours des premières semaines d'existence. L'orage s'est éloigné. La nuit est redevenue belle. On peut sortir des abris. La mère léopard oublie un moment ses craintes. Elle va trouver le temps de goûter avec ses jumelles un instant bien rare de douceur et de paix. Dès l'aube, la maman phacochère et ses petits se sont précipités hors de leur tanière pour aller brouter au milieu de leurs congénères. Ces animaux grégaires partagent volontiers les mêmes territoires. La vie en groupe leur permet de se défendre plus efficacement contre les prédateurs. Après avoir bien couru, bien mangé,
il n'y a rien de meilleur au plus chaud de la journée qu'un bon bain d'eau boueuse. Mais attention, le danger n'est pas loin. La mère léopard doit tuer pour nourrir ses jumelles. C'est raté. Les phacochères sont parvenues à fuir. Ces animaux si lourds d'eau peuvent courir étonnamment vite, près de 60 km à l'heure. La mère léopard revient bredouille. Bredouille, mais prête à jouer. Il faut poursuivre l'apprentissage des deux petits. Les hyènes ne prennent jamais le temps de jouer. Les voici sur la piste d'une autre proie. Blessée, cette lionne a été abandonnée par sa troupe. Elle a une jambe brisée et ne peut presque plus marcher. En outre, elle est grosse et sur le point de mettre bas. Il lui faut trouver un refuge. C'est une proie facile. Mais les hyènes ne sont pas pressées de l'attaquer. Elle se contente de la suivre et d'attendre qu'elle soit vraiment incapable de se défendre. La famille phacochère a la chance de retrouver chaque soir la sécurité de sa tanière. Mais pour beaucoup d'autres animaux, la nuit est l'heure de tous les dangers. Chaque frôlement dans l'herbe peut faire craindre la présence d'un prédateur. Les deux jumelles vont avoir de quoi dîner. Mais avant, la mère va leur proposer un jeu, ou plutôt une épreuve.
maîtriser la proie qu'elle a volontairement ramenée vivante et la mettre à mort. Une phase nécessaire de l'apprentissage d'un bon chasseur. La lionne blessée est parvenue à échapper très provisoirement à la surveillance des hyènes. Elle s'est réfugiée à l'abri d'un bosquet pour mettre bas. Le lionceau qui vient de naître est un mâle. Sa mère est trop faible pour le protéger. D'ailleurs, à la première alerte, elle l'abandonne là et s'enfuit. Tôt ou tard, les petits cris plaintifs du lionceau, affamés et terrorisés, ne pourront manquer d'attirer les hyènes. Mais pour l'instant, elles sont à nouveau sur la trace de la mère et ne la lâcheront plus. Dans la nuit noire, le combat décisif va s'engager. La lionne est trop épuisée pour continuer à fuir. Elle est forcée de faire face. Un grognement de rage, où elle a mis ses dernières forces, parvient encore à tenir en respect ses assaillantes. Mais pour combien de temps ? Les cris du petit lionceau ont été entendus, mais pas par les hyènes. Pour la mère léopard, ce petit animal tout chaud est une proie facile et bienvenue. Pourtant, la voilà qui renonce à la tuer. Et en entendant une hyène approcher, elle semble vouloir lui arracher cette victime. Va-t-elle l'emmener ? Fera-t-elle face à la hyène pour défendre le nouveau-né ? Elle ne sait trop quelle partie choisir. Et puis peut-être parce qu'elle s'est souvenue de ses deux petits à protéger. Elle finit par partir. Le lionceau perd avec elle sa dernière chance de survie. La lionne blessée n'a pas encore renoncé à vivre. Si elle parvient à rameuter le reste de sa troupe qui doit rôder dans le voisinage,
elle aura encore une chance d'échapper aux hyènes. Mais seuls deux grands mâles célibataires ont entendu ses plaintes. Ils la rejoignent, mais pas pour la secourir, pour la mettre à mort, avec une sauvagerie inouïe. Tuer un congénère est un acte très rare et difficile à expliquer. Ce n'est pas parce que ces lions ont faim. Ils ne toucheront pas au cadavre et quitteront le terrain aussitôt le corps refroidi. Les deux bébés léopards ont été laissés seuls. Ils sont incapables de faire face à un quelconque danger. Leur mère le sait, mais elle ne peut éviter de s'absenter régulièrement pour chasser. Ce léopard n'a pas les mêmes problèmes. C'est un mâle. Il n'a personne à protéger et aucun autre souci que de chasser pour son compte. Impossible dans la brousse de chasser et de tuer en paix. Mais cette fois, la hyène est seule. Et le léopard n'est pas disposé à abandonner sa proie. Elle comprend vite que l'affrontement est sans espoir et fait mine de s'éloigner. Mais mieux vaut être prudent et emporter son butin sur une haute branche. Même les arbres ne sont pas toujours sûrs. Les hyènes sont patientes, capables de passer des heures, sentinelles obstinées, jusqu'à ce que le léopard épuisé laisse tomber sa proie, ou même s'endorme et tombe lui-même au sol. Pour une fois, c'est la hyène qui a un problème. Elle s'est prise une patte dans la fourche du tronc. Le moment est périlleux. Une troupe de lionnes approche. Enfin, elle s'échappe. Et le léopard décide aussi de fuir. Face aux lionnes, son arbre n'est pas un véritable refuge. Elles sont, contrairement à l'idée reçue, de remarquables grimpeuses. On ne peut pas en dire autant des mâles. Thank you.
La mère léopard ne retrouve pas ses petits où elle les a laissés. Et ses appels restent sans réponse. Elle est attirée vers les hautes herbes par une odeur familière. Un corps est étendu sur le sol, encore tiède. C'est l'une des deux jumelles, mise à mort par les lionnes. Tendrement, la mère lèche ce petit corps, comme pour essayer de lui rendre la vie. Éprouver du chagrin à la perte d'un être cher ne nous est sans doute pas réservé. Comment connaître les sentiments de cette femelle léopard dans un moment comme celui-ci? Mais elle ne peut s'attarder plus longtemps. Elle doit retrouver son autre petit. Peut-être a-t-il pu échapper aux lionnes qui rôdent dans le coin. Inlassablement, elle continue à l'appeler. De petits cris assourdis pour ne pas trop éveiller l'attention des autres prédateurs. La deuxième jumelle finit par émerger des hautes herbes. Le petit léopard a perdu sa compagne de jeu, mais il apprendra vite à jouer seul, comme il apprendra bientôt à vivre seul. La famille Phacochère a passé une nuit tranquille. Les voici prêts à affronter bravement les dangers et les imprévus d'une nouvelle journée dans la brousse. Mais se retrouver dès le réveil face à un cadavre de léopard, la surprise est de taille. Après un très soigneux examen de la dépouille, la mère s'en débarrasse avec mépris.
non sans s'être fait une petite peur post-mortem. Une année de plus s'est écoulée à Malamala. Le moment est venu pour la mère Léopard et sa petite de se séparer. La fille a maintenant 20 mois. Sa mère refuse de la prendre en charge plus longtemps. La tendresse d'hier est morte. Tout ce que la jeune femelle peut tenter pour attendrir sa mère est vain. Elle devra se résigner à partir. La saison des pluies est de retour. La savane retrouve sa profusion. L'herbe est abondante et le gibier aussi. L'heure est venue pour la jeune femelle léopard de faire ses premières armes. Le chasseur a jeté son dévolu sur une proie facile, un petit échassier, une ombrette. Seulement, à découvert, un oiseau, quel qu'il soit, n'est pas aisé à approcher. Alors, pourquoi pas une tortue ? S'en saisir n'est pas difficile. Mais qu'est-ce qu'on en fait après ? Comment ouvrir cette carapace ? Tout compte fait, ça ne doit pas se manger. C'est sûrement un jouet. Le jeu, c'est bien joli, mais quand la faim vous tenaille, il faut se résoudre à mettre en œuvre les leçons maternelles. Voilà justement des proies parfaites. Le début de la chasse est conforme aux règles. Elle glisse, silencieuse. Les impalas n'ont pas décelé sa présence. Un seul détail. Un petit écureuil trop bruyant, qui va tout gâcher. La troupe des impalas s'est enfuie, avec des bondissements comme pour la narguer. Cette frustration ne sera pas la dernière. Un prédateur doit apprendre à manquer souvent sa proie. Et aussi à cohabiter avec d'impressionnants voisins.
En retournant à leur gîte à la tombée du jour, les jeunes phacochères ont à leur tour une désagréable surprise. Leur mère se tient à l'entrée de la tanière pour leur en interdire l'accès. Une façon très explicite de leur signifier qu'ils doivent la quitter, partir vivre ailleurs désormais. Vivre seul et chassé pour son compte, le jeune guépard connaît, et c'est très fatigant. Pour le petit phacochère, la première chose à faire est de se trouver un abri. La paroi de cette tanière pourrait convenir. Mais un bruit dans un arbre le fait fuir. Solitaire, sans expérience et perdu dans la nuit, il est en grand danger. Mais dans la brousse, il y a toujours un troisième larron. C'est au tour du léopard d'être violemment attaqué. Le phacochère en a profité pour fuir et se dissimuler dans un terrier abandonné. Apparemment, le léopard s'est débarrassé de son adversaire. Et il n'a pas l'intention d'abandonner sa chasse. Mais la hyène, comme le prouvent ses cris, n'est pas loin. Elle n'est pas du tout disposée, elle non plus, à quitter les lieux. La nuit entière se passera sans qu'aucun des trois protagonistes n'obtienne un avantage décisif sur ses adversaires. Mais elle laissera des traces. Le léopard porte une large déchirure sous l'aisselle. Les défenses des phacochères sont des armes redoutables. Le phacochère, pour sa part, a l'arrière-train cisaillé de profondes entailles, les marques sanglantes de sa valeureuse résistance. Mais sa dangereuse solitude ne durera pas. Il trouvera bientôt refuge dans un nouveau groupe. Les mois ont passé. La jeune femelle léopard s'est beaucoup développée. Il ne lui reste plus qu'une épreuve à franchir pour parvenir à la maturité. Abattre une proie conséquente, par exemple un impala adulte. Le moment est important. La jeune femelle va se lancer dans sa première grande chasse.
Le succès, cette fois, est complet. La victime est un grand mâle adulte. Un nouveau chasseur va régner sur le territoire de Malamala. Thank you.